Vous êtes venus ce soir et que nous passons c'est et y compris toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. C'est le thème qui nous a écrit dans le Amen. Mais je parlerai ce soir de sous-thème. Le mouvement de l'esprit. Le mouvement de l'esprit. Par la musique. Alléluia. Le mouvement de l'esprit par la musique. Parce que chaque homme de Dieu étant appelé dans un ministère à un monde. Et la musique que nous écoutons est un autre monde. Donc lorsque un appelé, lorsque un choisi conduit le monde de la musique prophétique, au monde de son ministère, il pousse Dieu à pouvoir créer un autre emploi du temps en faveur du monde dans lequel il doit intervenir. Alléluia. Ce qui veut dire que quand un homme de Dieu veut d'abord monter en esprit, il a besoin d'écouter une musique qui va d'abord nourrir son esprit, une musique qui va nourrir son âme, une musique qui va nourrir son ministère, une musique qui va déjà canaliser son environnement et qui va lui permettre de faire monter Dieu et de faire descendre Dieu. Raison pour laquelle lorsque Jacob était endormi, il ne dormait pas simplement. Mais dans son esprit, il nourrissait une musique, dans son esprit, il nourrissait une mélodie, raison pour laquelle Dieu ouvre ses yeux et il voit les anges monter et descendre. Mais lorsque les anges montent et descendent, ils ne montent pas simplement, et ils ne descendaient pas simplement, mais ils montaient sous la coupole, sous la conduite d'une musique, et ils descendaient sous la conduite d'une autre musique, d'un autre son, qu'ils entendaient par la prière que chaque homme sur sa bouche est en train d'apprécier à Dieu. Pourquoi? Parce que toute parole que nous adressons à Dieu, toute louange du monde vers Dieu, n'est pas forcément, comme je dirais, à un rythme, est une musique du monde vers Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons comprendre pourquoi nous ne devons pas écouter toute musique, mais devons écouter des musiques qu'on a la capacité de nourrir notre âme et de nourrir notre esprit. Alléluia. Et je vais parler ce soir sur trois points rapidement. Le premier point, c'est l'épaisseur du son. Alléluia. Le deuxième point, c'est la clé des victoires de David. Et le troisième point, c'est la musique des prophètes. Alléluia. Alléluia. Comprenons que la musique est un moment de sentiment qui laisse introduire en nous, c'est ce que je disais, amen. La musique est un moment de sentiment qui laisse introduire en nous des entités, des esprits. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui s'est assis pour composer une musique, un morceau, il a composé ce morceau pas avec son esprit, mais avec un esprit par rapport à la situation qu'il vivait. Alléluia. Je me répète. Celui qui s'est assis qui a composé une musique, l'a composé pas avec lui-même son esprit, mais avec l'esprit de la situation qu'il vivait. Alléluia. Et l'organe du corps humain est souvent exposé au monde de la musique, parfois par l'oreille, par l'œil. Amen. Et cette oreille-là, l'oreille est le premier élément par lequel nous puissions posséder ou recevoir des esprits, ou comment dirais-je, est-ce qu'elle produit en nous des esprits, l'oreille. Amen. L'oreille est le premier élément du corps, l'un des premiers principaux éléments du corps qui laisse et produit en nous. Avec certaines choses. Nous allons rapidement aller. Genèse chapitre 1, le verset 3. Genèse chapitre 1, le verset 2. Je vais rapidement aller avec Dieu. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu joues en quoi? Joue en vrai. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Donc je vais dire avec vous que le premier jour où la musique a commencé à retentir dans le monde, dans l'univers, c'était le jour de la création. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la terre était informée et l'esprit de l'être se mouvait au-dessus des eaux.
Donc lorsqu'il y a un fort qui est en train de planer quelque part, le vent ne passe pas inaperçu. Yes. Le vent passe imposant, comment dirais-je, imposant un son, imposant un esprit, imposant quelque chose que nous entendons et nous disons qu'il y a la tempête. Pourquoi? Parce que pourquoi on dit qu'il y a la tempête? Pour des fois, ça, d'abord qu'on voit la tempête, mais il faudrait qu'on entende le bruit de la tempête. Alléluia. Et la Bible déclare que Dieu se mouvait, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et lorsque quelqu'un s'élevait, une personne commençait à chanter, il entendra que la lumière soit et aussitôt, la lumière apparut. Pourquoi? Parce que le monde avait besoin d'entendre une musique. Le monde avait besoin d'entendre les paroles d'une chanson qui allait l'amener à l'existence. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour la terre. Quelqu'un qui vient en cours et qui écoute des chansons, qui parle beaucoup de déceptions amoureuses, ne t'attends pas à voir comment tu restes sa vie. Je ne t'attends pas à voir sa relation partir de pouvoir. Parce que étant en couple, tu as eu l'habitude d'écouter des sons qui parlent de déceptions amoureuses. La raison pour laquelle le gars décide de laisser, la raison pour laquelle le mari décide de laisser. Pourquoi? Parce que la musique a la capacité d'apporter à l'existence ce qui n'a jamais existé. Amen. Alléluia. Amen. Le monde n'existait pas. Il n'y avait que l'esprit de l'éternel qui se mouvait au-dessus des eaux. Yes. Alléluia. Amen. Et Dieu se lève, il commençait à chanter. Et l'univers, la planète entendit les paroles de sa chanson. Mm-hmm. Et décida de venir voir celui qui chantait. Yes. Et c'est ainsi que ces choses apparues dans le monde. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Le mouvement de l'esprit par la musique. Mm. Pour qu'un esprit puisse posséder ton corps, pour qu'un esprit puisse conduire ton âme, pour qu'un esprit puisse te faire monter ou te faire descendre, ça va dépendre de la musique que tu écoutes. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la première musique, la première personne à chanter, c'était Dieu. Yes. Par sa foi. Parce que la musique ne sort pas par les yeux. Les paroles des chants ne sortent pas par les yeux, mais sortent par où? Par la voix. Par la bouche. Yes. Or, il a dit à Paul, il a dit à Philippe, ce que tu vas lier sur la terre sera lié de l'esprit, ce que tu vas délier sur la terre sera délié de l'esprit. Il dit, tu te rends, tu opposes la vie et la mort. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi? Parce que dans ta bouche, j'ai mis un pouvoir, dans ta bouche, j'ai mis une force, dans ta bouche, j'ai une puissance qui a la capacité d'apporter des choses qu'il y a aujourd'hui. Qui a la capacité de même changer l'emploi du temps de Dieu. Yes. La Bible déclare que lorsque le vin a manqué à la fin de à la pomme dirais-je, à la noce de Cana, la Bible déclare que Marie a dit à son fils, le vin a manqué, il a dit à sa mère, mon temps n'est pas arrivé. Et elle ne regarde plus son fils, elle regarde maintenant ses disciples. Et elle dit, fais ce qu'il vous dira. Le fait que Marie a proposé une autre musique. Cette musique que Marie a proposée a introduit Jésus-Christ dans un autre emploi du que lui n'avait pas produit. Pourquoi? Parce que celle qu'il a mis au monde avait le dessus par une voix supérieure sur lui. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu concentres ton oreille sur cette musique, ces musiques ont automatiquement de l'effet. Yes. Ces musiques ont automatiquement de l'effet sur ta vie. Raison pour laquelle Adam et Ève ont péché parce qu'ils ont livré leur organe, l'oreille, à une musique qui ne venait pas de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Adam et Ève ont péché parce qu'ils ont livré leur oreille et l'oreille à une musique qui ne venait pas de Dieu, mais qui venait de la voix du diable. Yes. Amen. Amen. Le début de la musique, nous en avons parlé. Et comprenons que c'est un prophète. Amen. Comment est-ce que se compose la musique? La musique est un son qui est émis par les fréquences. Alléluia. La musique est un son qui est émis par les fréquences. Et lorsque tu n'es pas connecté sur la bonne fréquence, tout ce que tu fais à un bon moment qui est mauvais devient mauvais. C'est-à-dire qu'une bonne chose que tu fais à un mauvais moment devient une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que tu n'es pas concentré ou tu n'es pas capté sur la bonne fréquence. Donc il y a des brouillards qui vont commencer à vivre
il y a des prières qui vont commencer à naître dans ton esprit et tu vas commencer à te poser toutes sortes de questions. Dieu est-il avec moi? Dieu a-t-il abandonné? Dieu a-t-il oublié? Dieu entend-il les prières? Pourquoi? Parce que tu n'as pas connecté ton oreille à la bonne fréquence, qui est la fréquence prophétique, qui est la fréquence des anges, qui est la fréquence de la musique que tu dois écouter afin que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Alléluia. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, le verset 40. Luc chapitre 1, le verset 40. Luc chapitre 1, le verset 40. Amen. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla à hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. C'est ça, continuons. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bon, là, tu déclares que Marie alla saluer Élisabeth. Et lorsqu'elle a vu Élisabeth, dès qu'elle a salué, l'enfant qui était dans son ventre a commencé à tressailler et l'enfant a poussé Élisabeth à prophétiser. Pourquoi? Parce que là, il y avait une fréquence qui venait du ciel. Il y avait une fréquence qui était née avant la fondation de ce monde. Et l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth a entendu le son de la voix de ce corps qui était connecté sur une bonne fréquence. Donc ça a poussé Élisabeth automatiquement à se réaligner. Ça poussait Elisabeth automatiquement à se connecter sur cette fréquence-là. Et elle a commencé à prophétiser. Pourquoi? Parce qu'elle venait d'entendre une voix qui n'est pas une voix terrestre. Elle venait d'entendre une musique qui n'est pas une musique démoniaque, mais une musique qui venait directement du ciel. Alléluia. Donc, quand il y a une transformation dans ta vie, il faut que tu saches écouter certaines choses. Donc, pour la quelqu'un qui t'assoit avec des gens pour beaucoup critiquer, c'est une musique que tu écoutes. Donc, tu lèves ton oreille à des sons. Et ça détruit ta vie. Alléluia. Donc Élisabeth est restée concentrée. Et lorsque Marie l'a saluée, la femme qui était dans son ventre, qui était Jean-Baptiste, a tressaillé. Elle a commencé à prophétiser. Et c'est que Bébé, elle a prophétisé une seule chose. Et aujourd'hui, il y a nos frères catholiques qui ont commencé à résister à cette prophétie d'Élisabeth. Pourquoi? Parce que ça a été aimé par la salutation de quelqu'un. Une personne qui a produit un son. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et est-ce qu'on vous dit que il a des victoires pour toutes les victoires de David ne lui ont pas été gagnées? Pourquoi? Parce que David savait manier là, savait manier les pénoms. Mais parce que David savait chanter, parce que David savait jouer de la musique. Et est-ce qu'on vous dit que sur des recherches, la musique ou la carte de laquelle David chantait n'était pas Dieu, n'était pas Dieu, mais c'était Fadien. Lorsqu'on prend Fa dièse, on parle des gammes mineures, des accords mineurs. Et les accords mineurs ne sont pas beaucoup joués par les Africains, par autres. Mais les accords mineurs sont beaucoup joués par les Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs ont le secret d'eux. Lorsque tu touches le cœur de Dieu par une chose qui est depuis le commencement, c'est que ces choses commencent à entrer dans la minorité. Yes. Les gens, lorsqu'on parle de majorité, on dit que majeur a dit de quel âge? Avec 18 ans. Donc lorsque tu es à l'état de la minorité, tout ce que tu fais n'est pour être, tu ne pas considéré par Dieu. Et quand tu es à l'état de la minorité, tout ce que tu fais est. Je ne sais pas comment vous le dites. Toute façon, quand tu poses toucher le cœur de Dieu, de l'impact, on veut l'effet en une répercussion positive sur ta vie. Alléluia. Et c'est un point que je ne veux pas rentrer en profondeur de ce point-là. Alléluia. Et la vie des cas de vie, il y a un homme qui était le roi Saül, qui était possédé d'un esprit, et qui sont venus dire, mon maître, voici un esprit mauvais que je possède. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? On va aller chercher quelqu'un qui s'agit de la âme. Il a dit, ok, on ne veut pas la personne. Et ils sont allés chercher David. Et lorsque David est arrivé, il a commencé à jouer de la âme. Et l'esprit qui possédait son corps a habité automatiquement ce corps. Pourquoi? Parce que l'esprit qui était sur lui ne supportait pas ce qui allait venir du ciel. Alléluia. Et notre Dieu ne va prophétiser, il va prophétiser ses frères. Mais avant que je prophétise, envoie-moi un joueur de harpe. La musique éveille l'esprit des prophètes.
Or la musique est produit le prophète dans l'oreille de Dieu. Raison pour laquelle, lorsqu'on prend un roi, si je me trompe, un roi ou un Samuel, lorsque le jeune Saül a perdu la prévue de son père, il est allé à sa rencontre, à sa recherche, et on lui dit que la brebis a déjà été trouvée, ton père en quête de toi. Mais avant qu'il ne retourne vers son père, il est allé voir un homme de Dieu. Et là, il te dit, ton père a trouvé sa brebis, mais toi, Dieu t'a choisi pour être roi d'Israël. Alléluia. Mais après l'avoir quitté, tu arrives à libérer Elohim, tu vas trouver des personnes qui ont des pains en main. Qui vont te donner du pain, tu vas manger. Quand tu vas avancer, tu verras certaines personnes descendre du haut lieu, le bétail de la montagne. Et ils vont t'indiquer un chemin que tu vas emprunter. Et lorsque tu arriveras sur ce chemin, tu vas rencontrer une tradition de prophètes qui t'a descendu de la montagne, qui t'a descendu de la chambre haute, qui sont dans le prophétiser. Mais ce qui m'a plu, comment est-ce que ces personnes prophétisaient? Ces personnes prophétisaient étant subies des instruments de musique. Alléluia. Ces gens prophétisaient comment? Étant subies des instruments de musique. Ils prophétisaient comment? Étant subies des instruments de musique. Et la Bible dit que lorsque Dieu a dit au peuple d'Israël, faites le tour de Jéricho, elle s'est fait vous pousser des cris de joie. Parce qu'ils ont fait le tour, le Saint-Esprit nous a poussé des cris de joie. Alléluia. Et ils ont commencé à sonner de la trompette. Et les murailles de Jéricho se sont tombées. La Bible déclare qu'au dernier jour, ce n'est pas le piano qui va jouer. Ou ce ne sont pas certains instruments qui vont jouer. Mais il va, un homme va sonner de la trompette. Et Dieu va descendre rechercher ses enfants. Alléluia. La musique. Amen. Il y a certaines musiques que nous devons écouter. Même dans le milieu chrétien. Il y a certaines musiques que nous devons écouter. Par contre, il y en a d'autres qui ne doivent pas être écoutées. Amen. Pourquoi? Parce que soit ça nous fait monter, soit ça nous tue. Est-ce qu'on se comprend? Soit ça nous fait monter, soit ça nous tue. Alléluia. Mais je crois qu'à compter d'aujourd'hui, tout ce que nous allons écouter comme musique, oh, viendra du Saint-Esprit. Raison pour laquelle je vais maintenant toucher le thème. Comment est-ce que le Saint-Esprit a rempli la chambre haute où les disciples étaient rassemblés? Tu peux connecter ton téléphone, s'il te plaît. Alléluia. Quand on prend la Bible en Genèse, l'esprit des ténèbres se mouvait. Quand on apprend de la Bible en deux rois, Dieu dit au prophète Élie que j'ai laissé en Israël 7000 personnes. Ne sont point détournés de ma face. Quand on prend Joël 2:28, il dit que de la dîner quand je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Quand on prend le livre d'Esaïe, il dit l'esprit du Seigneur est sur moi. En Luc chapitre 4, il dit l'esprit de l'éternel, du Seigneur l'éternel est sur moi parce qu'il m'a appelé. Et lorsqu'on prend Acte chapitre 1, il dit que vous devez prendre Jérusalem, restez en ce lieu, car je vous en ferai un consolateur. Et en Acte chapitre 2, tout ce qui était promis, tout ce qui vivait depuis la Genèse, va maintenant se matérialiser en un chapitre. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient unis dans la Sainte-Parole n'étaient pas unis pour demander quelque chose d'autre à Dieu, si ce n'est que la présence de cet esprit qui leur a été promis. Yes. Alléluia. Amen. Et ce qui est fait dans la Bible, il dit, là où deux ou trois sont assemblés, je suis présent. Et il dit une autre chose. Là où deux personnes s'accordent pour demander une seule chose, je vais le leur donner. Pourquoi? Parce que l'accord ou la santé des points dans un lieu a la possibilité de bouleverser Dieu dans son royaume. Yes. Alléluia. L'accord des points dans un lieu a la possibilité de bouleverser Dieu dans son royaume. Raison pour laquelle, lorsque Anne était devant le trône en train de prier, elle n'était pas déjà seule. Mais il y avait déjà son fils qui était dans son sein. Yes. J'ai dit quoi? Quand Anne se retrouvait dans le temple pour prier, le dernier jour où Dieu l'a exaucé, c'était à la fin de ce jour qu'elle avait déjà contracté leur corps. Pourquoi? Parce que Dieu considère la prière de l'unité. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a libéré la mort? Lorsque Isaac partait sacrifié par son père Abraham, c'est parce qu'ils étaient Dieu. Et le fils Isaac avait déjà été enseigné sur le thème du sacrifice.
Père, il y a le feu, il y a le bois, mais où est l'anneau pour le sacrifice? Et à cause de la question que l'homme Isaac a posée, ça poussait Dieu à proposer une autre musique dans son royaume. Bien sûr. Ça poussait Dieu à donner un autre sacrifice. Alléluia. Alléluia. Amen. Si hier tu avais prié, et après ta prière, tu écoutais des choses qui ont changé l'emploi du temps de Dieu, c'est de ta faute. Pourquoi? Parce que c'est ton comportement qui modifie la prophétie dans le temps. Habakkuk dit que cette prophétie doit être fixée. Elle marche sur son thème, elle s'accomplira certainement. Mais nous sommes à une époque où il n'y a plus de délai dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi Dieu est descendu? Parce que les disciples doivent d'abord prier pour le célébrer. Parce que les disciples doivent d'abord prier pour le nommer. Donc lorsqu'il y a une assemblée qui n'est pas l'assemblée des adorateurs, il sera impossible ou difficile à Dieu de descendre et d'opérer, de descendre et de remplir tout ça. Alléluia. Je dis quoi? Lorsqu'il y a une assemblée qui n'est pas d'abord l'assemblée pour l'adoration, qui n'est pas l'assemblée pour l'aider de mettre l'assemblée pour son problème, ça pousse Dieu à ne pas descendre, ça pousse Dieu à ne pas agir. Amen. 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 Je veux que ce soit un peuple, une assemblée d'adorateurs. Je suis heureux qu'il y ait beaucoup de chaises blanches. Parce que toi qui es venu, Dieu va te communiquer quelque chose, tu vas entrer, tu vas prophétiser, tu seras changé d'une autre personne. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et comprenons que tous ceux qui sont dans la Bible, tous ceux qui ont été appelés prophètes dans la Bible, ceux qui sont appelés serviteurs de Dieu dans la Bible sont d'abord des esclaves, ils sont d'abord des chocs. Alléluia. Ils sont d'abord des chocs. Tous les grands prophètes de la Bible sont des prophètes qui ont d'abord commencé à composer des musiques en l'honneur de Dieu. Amen. 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 Le monde de la musique dans l'Église. Alléluia. C'est pour que je ne suis pas trop en profondeur. Pourquoi? Parce que je voudrais que nous vivions ce temps, nous vivions ce thème-là. Tu n'es pas obligé d'être touché par un prophète, par un homme de Dieu ce soir. Mais laisse-toi juste être transporté par les sentiments du montement de ton cœur. Et tu verras le Saint-Esprit descendre sur toi. Comme une nuée, descend sur toi comme une colonne de feu. Comme une huile sainte. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire que Dieu le veut? J'allais sur mes travers ensemble. On peut travailler ensemble, Jésus. Est-ce que dans ton cœur, tu peux déjà commencer à sortir appris certaines paroles qui doivent vous montrer. Par exemple, quand je commençais, je disais que le fait que tu puisses adorer Dieu avec comme tes propres paroles. Parce que quand tu adores Dieu avec les paroles de David, ça n'a pas vraiment plus d'effet. Pourquoi? Parce que ce que David disait venait de son cœur. Donc il faut que ce que tu dises à Dieu puisse sortir de ton cœur, puisse naître de ton cœur. Alléluia. Pourquoi tu vas le célébrer avec tes propres paroles? Alors, je veux entendre quelqu'un parler, je veux entendre quelqu'un parler. Comment ça célébrer Dieu par des propres paroles? Et ça doit être la première musique que tu vas composer de ta vie. Alors, ton adoration doit être la première musique que tu vas composer de ta vie. Ton adoration doit être la première musique que tu vas composer de ta vie. Chaque tourné va par la d'abord, donne la voix de ton voisin, on a adoré Dieu, on aurait joué ta vie.